Eh bien, salut à tous les amis, c'est The King Ragnar Lothbrok. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je t'ai pas vu ma couille. Préviens la prochaine fois. Non mais allô, toi, il est fou. Putain. C'est bon? On est fini les gars? Derrière toi! Viens pas! Non mais oh, il a croqué lui. Reculez, reculez, bordel! On veut juste parler, Robert. On a rien du tout à se dire, putain! Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Va! Robert! Joël, par ici! Alors toi, on a failli y avoir. Merde, enculé. Je me trompe. Joël, par ici. Salut Robert. Tess. Joël, sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué, d'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah oh, merde. Ah, stop. 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 Merde. Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Ok, c'est radical. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Oui, Robert. Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes.
Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire, des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant! Si vous êtes parti, il faut qu'on bouge. Alors... on va se prendre ça, c'est meilleur. C'est parti. C'est par là. Ok, on te suit. Je connais un autre chemin. Venez. Ouais, c'est fort là. Oui. Ok. Ce sont les Lucioles? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. Joël, donne-moi un coup de main. Ça ira. Ok, t'es sûr? Stop. Des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Eh, vous voulez. Je prends celui-là. Faites le tour pour l'autre. Oh putain, il y a des trucs okay à prendre, c'est bon ça. Soyez prudent. Voilà, merci. Ça fait plaisir. Ils sont en force aujourd'hui. Merci. Oh, bâton. Thank you.
il est où? Bon. Merci. Ouais. Il sort d'où, là ? Magnifique belle vue quand même. Allez, après. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On n'est plus très loin. Ok. Attends. D'abord. Pour fouiller. Comment tu te sens? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Dis-moi, Marlène, on peut fouiller, s'il te plaît? Un petit peu. Et tu es tranquille. On est presque arrivé. Attention. Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Ok. C'est quoi la marchandise? Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Oui, bien sûr, tu veux m'arrêter dehors, Thomas, oui. Du coup les amis, je compte sur vous pour liker, partager, abonner-vous à la chaîne. Mettez la cloche pour me suivre dans d'autres vidéos.